question, il était tout excité à l'idée de revoir un vieil ami à lui. Eh ben mon ami, un canac à roulette. Les coudes doivent être comme ça. Mais Steve, non. Steve, il était comme ça. Donc ça veut dire que regarde ses mains, comment elles étaient. Attends, tu vois. Abuse pas quand même. Tu vas me faire passer pour un peintre. C'est la nouvelle génération. La génération Y. Tu sais, pourquoi? Et Wi-Fi pourquoi aussi. Ouais, mais pourquoi? Why? C'est un gay why. Pourquoi? C'est toujours pourquoi. Pourquoi la lumière allumée? Pourquoi je m'entraîne? Pourquoi je dois manger? C'est dans la contradiction. Ouais, mais pourquoi si? Pourquoi ça? Alors que bon, ça va, c'est pas... Le football, c'est pas des contraintes. Tout le monde vit, tout le monde en joue, tout le monde fait boum. Pape Tchouf, il est arrivé, il m'a donné les clés pour que je puisse ramener mes amis faire le clip dans le stade. Et bon, mes amis sont un peu fous. Donc il y en a, ils ont pris de la pelouse, ils l'ont mis dans la poche. Je te jure, c'est vrai en plus. Voir Franck Ribéry mettre en liesse les 63 000 spectateurs de l'Allianz Arena, c'était comme un rêve. Wow. And, Toi, 82-83. Against France. Yes. In 82. Yes. I know. So when I walk in Paris, for example, on Champs-Élysées, they don't call me Romani. They call me always, oh, 82. Yes. Ça y est, après 12 heures d'avion, nous sommes enfin au Brésil, à São Paulo. On n'a pas tous les jours la chance d'aller dans le pays où le foot est roi. El Dottore, le docteur comme on le surnommait sur le terrain, nous accueille chez lui. Je suis tout ému comme toi. Soy también emocionado. Moi aussi je suis très ému. Parce que j'ai une grande admiration pour vous. Plus que lui parce qu'il est plus jeune. Et si l'on veut rencontrer des supporters vraiment passionnés par leur club, il faut suivre les Gavioes da Fiel, les éperviers fidèles du club des Corinthians. Le Corinthians, c'est tout pour moi. C'est une nation, c'est une famille. Bon, ce n'est pas tout ça, mais moi, avant de continuer à parler avec Rai, j'ai besoin de taper un peu dans le ballon, histoire de voir si je suis au niveau des Brésiliens. Il y a eu une très belle souvenir, c'est la fête que les supporters parisiens m'ont offert pour mon dernier match au parc. Ça reste un des souvenirs les plus émouvants. Français ont réussi leur carrière. Est-ce que tu peux me chanter une chanson? Parce que les chansons anglaises, je connais pas trop. Donc, ah tiens, il y a un supporter d'Arsenal. Non, en fait, ma chanson, c'était Super, Super Rob, Super, Super Rob, Super, Super Rob, Super Rob. A été élu, je crois, deux fois consécutivement, le meilleur joueur anglais, ici en Angleterre. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait, ça? À partir du moment où tu as été un homme bien, un homme bon, que tu as été un footballeur qui a donné toujours le meilleur de lui-même, ils te le rendent. Mais ils te le rendent pas pendant six mois, ils te le rendent à vie. Ouais. C'est un acquis. J'ai des souvenirs plein la tête. Je ne sais pas ce que me réserve le prochain voyage, mais j'ai déjà hâte d'y être.